Voilà, reparti encore pour la chasse à la Rougoumo. Dès que j'aurai la Rougou même, je serai un pas de plus vers le Colbert. Un petit pas, mais un pas supplémentaire. Ça avance doucement, mais sûrement. On l'a quasiment, hein. Il manque 30 000 points. 30 000 points, c'est quoi? C'est deux bonnes games. Sincèrement, avec un peu de punch là, un peu de fighting, on peut y arriver. Salut Owen, hello Wolf Creek, hello Palachou. Pourquoi j'ai des gens qui font du bruit dès le départ? Je peux faire ça longtemps. On a 4 secondes de pouette. Je peux faire des pouettes pendant 4 secondes comme ça, très très longtemps. Je vais arrêter. Salut sur Perceval, salut Mizu. Tiens, Thunder, Russell Musashi Puerto. Et c'est doux. Et Lo Yang. Si le Lo Yang fait un tout droit suicide Altered N6 avec son hydro, ça peut être gênant. Par ça, ça peut être une game sympa. Ouais, on va pas trop s'emballer, hein. On va faire un mouvement tournant. Je suis localisé, hein, d'ici à ce qu'il puisse avoir des torpilles. Salut, c'est mieux. Je suis repéré. Radarim, Adrazia, c'est moi ça. Radarim, c'est ça. On va mourir. Moi aussi. Oh, ça craint. Je suis plus visible.
C'est pas possible. Je suis plus visible. Arrêtez. Oh, j'ai pris cher. Ça m'a coûté cher ce voyage. Je sais pas si je m'en sortirai vivant. Si c'est bon. Bon, vous me verrez plus. Hein. Eh bien, le Shumu est mort, mais ça m'a coûté super cher. Je me suis fait péter mon Storpia. Je peux dire que je recule loin. Je recule en bout de portée. On s'en fout, tant pis, vous me verrez plus. Ben, ils sont pas prêts de me revoir, les mecs. Je savais que la game allait bien se passer. Je vais attendre tranquillement de récupérer ma smoke. Voilà, mais c'est le Puerto Rico qui peut trop radariser, quoi. Ah, je vais commencer à tirer des trucs. Faire chier le monde. Personne ne la capera cette zone, moi je me dis. Je vais tellement casser les couilles à tout le monde. N'approchez pas! Ça sert à rien. Salut, matériaux! Radariser les mecs, allez. Vous ne passerez pas. Non, vous ne passerez pas. Voilà, Yoshino. Oh, j'ai failli le toucher. Ça fait chier le monde. Pas de...
sont tous partis super loin maintenant. Mille points de structure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Salut Solion, en fait, salut Mavaik et Matériaux, Chiver, tout le monde. Super, je suis un Friesland quoi. Je me suis fait éclater mon tube en torpille. J'ai plus que des canons. Bah, les mecs, ils sont pas avancés. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont 17 points. Ouais. Mais on peut pas dire que j'ai fait beaucoup de points dessus, quoi. Je vais faire quoi? 8000 points. C'est tout. J'essaie de mettre derrière ce caillou. Commencer à taper sur l'Izumo. Pour me faire voir. Par personne. Salut, Padmasam Bawam. Voilà, 8000 points d'expérience, je vous avais dit. Dernier 1000. Le guépard perdu. 3 x 8, 24. Salut Adessine. Le minimum syndical, ouais, mais bon, vu qu'il me reste plus grand chose à faire, quand même, ça va. Ça va être suffisant. Et j'estime avoir assez donné, quoi. Non, ça va. Alors, crème là, ça brûle bien, enfin ça brûle bien. Y a rien qui... Je vais l'assurer, mais... Si Kiev peut aller sur C... Salut Rakam. Voilà, Kiev va sur C, moi je vais sur B. Ça me semble un bon compromis.
Pourquoi je vais caper? J'en sais rien. Enfin, c'est un Xiangxiang, un Prisland et un Benson. Salut Bob, salut moi le. Non, je me lève tous les matins vers 8h15, ça va, tranquille. Ça se passe plutôt bien. Je vais peut-être pas me coucher à 1h30 hein, ce soir, je vous avoue, je vais arrêter à minuit, je pense. C'est le temps de bouiner, ça me fera aller au lit à minuit et demi. Parce que le problème, c'est que j'arrête à 1h le stream, mais. Mais au final, je fais autre chose, et puis. Et puis je me couche. Trop tard. Bien entendu, on capte pas. Allez, on va frotter amoureusement les casus. On va manger sa cape. Une fois que ça sera capé, je vais faire d'autres choix. Alaska. Fais gaffe. Ok, c'est capé. Donc demi-tour. Demi-tour en passant comme ça. Il n'y a personne à Alaska ici. Sont tous sur C, ils ont fait un mouvement en forme de cheveux tombants, la fameuse prise des cheveux tombants, hein, un peu à gauche, un peu à droite. Ouais, c'est pas une tenaille, c'est les cheveux tombants. C'est n'importe quoi. Bon, alors on va aller faire un grand tour. Et on va accélérer. Ça c'est intéressant, c'est en train de nous. Ça c'est intéressant, c'est intéressant. Je peux pas tirer dessus tout de suite. Et tourne. Tourne. Il y a moyen vraiment de lui mettre masse au but quoi. Hein. Je tourne. Deuxième salve quand même. Deuxième salve est trop courte encore. Trop courte mais pas mal. Ah
Je pense pas qu'ils aient beaucoup de support. Benson, que là. On est en train de se faire exploser, mais alors d'une de ses forces. J'aurais pas le temps d'utiliser mes torpilles ici. Ah dommage. Je vais vraiment tirer sur lui. Je suis pas con quand même à ce point là. Ah, t'as pas passé entre. Ok. Un grave c'est plein. Ça marche. Je veux bien. Par contre, ça me fait pas trop avancer avec le titre. Mais c'est possible. Il est passé entre mes torpilles, quoi. Non, mais vraiment. Curieusement, j'ai préféré prendre le Kaga ou l'Enterprise pour faire les batailles, les clan brawl. En clan brawl, l'Enterprise avait plus de points de vie et le Kaga avait plus de torpilles. Ah ouais, c'est frustrant. Salut Insomnia, pardon. C'est-à-dire que les avions tiennent bien, quoi. Je vais me mettre en place. J'ai que 9-4 de... Requesting assistance. Et voilà, on bouge plus d'ici.
à moi de protéger Jules Lepas. C'est un bateau de test. Il est dispo ou pas? Il est en test ou pas? En plus, c'est ta deuxième demande d'affilée, Padman. On les a encore en test, le marceau. Il faut en laisser un peu pour les autres. Faut pas oublier qu'un bateau, c'est un quart d'heure. Récupérer la zone, un grand coup de chasseur. Je pense pas ce qu'il était dans le coin, je vais rentrer. Il m'a dit que je voulais torpiller. On sent bien le tour. Je me demande si Vladi est pas en train de se dire qu'il y a beaucoup de monde et il va essayer de faire demi-tour. Ouais, je sais, vous voyez rien de l'autre côté. Vous n'avez pas d'aide. C'est un peu délicat. D'accord, on va la refaire, mais en moins. On va la refaire, mais en moins. J'ai une torpille qui a touché, je sais pas quoi. Ça, c'est intéressant. Nice! Le bateau de la chance. Changer le skin des avions, pas déjà c'est déjà le cas, toi, avec le skin black. Ils sont tout noirs les avions. J'ai l'impression que l'hyper va passer entre. Je sais pas, il va passer, il va sortir. J'attends que ça avec impatience. Mais c'est ce qu'il fait. Support. Denied. Leon
Tu vas venir me chercher l'hyper. Non, ça va. Je vais aller chercher le Dédi. Il est là, le Vasteras. Salut papier fraisé. Mais avant je monte un peu sur l'hyper. Je fais le finisher. On fait le finisher, mais on se fait encore éclater. Ah merde, j'ai plus d'avion. J'ai plus de prot. Esquive, nene. Ok, de là, on va faire ça. C'est horrible cette game. Le TD est mauvais, putain, mais va caper derrière toi. Ça sert plus à grand chose.
Tu veux jouer? Ok, on va jouer. Allez, je prends cher, mais je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais le tuer. Vous allez voir, je vais le tuer. Ah, il va mettre un chasseur sur lui. Ou pas, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il se moque. Ah, il smoke. Ah, il est mort. Ça va pas durer longtemps, hein. Mon affaire, ça va pas durer longtemps. J'aurais besoin de 4 sous-marins. Ouais. Non, non, loin de là, les porte-avions n'étaient pas forcément les plus longs. Les porte-avions allaient à plus ou moins à 30 nœuds. Ça fonce, hein. Merci, Capilo Tracté, bienvenue à toi. Ouais, je compte me terminer mon kamikaze, ça me fait quand même plus que plaisir. C'est nécessaire là ce soir, il faut qu'on se le finisse. Vraiment. 212 000, regardez. Il me faut 223 000. Et on y est presque. Non, ils avaient des gros moteurs, il y avait du poids, mais ça avançait vite. Les premiers étaient lents, ouais. Mais ils ont adapté après. Il faut pas oublier qu'au niveau des navires de guerre, quand ils faisaient un convoi en navire de guerre, un groupe de flotte, en fait, ça se déplace toujours à la vitesse du navire le plus lent. Donc si on a tout un tas de navires rapides et un porte-avions qui là-dedans va à 23 nœuds, bah... ça va le faire. Salut Capilotract et bienvenue à toi. Tu commences le jeu, tu recommences le jeu après 3 ans d'absence. Et merci Mathieu Wheeler pour ton follow, bienvenue à toi. 300 d'absence, t'en as loupé des choses, hein. T'as loupé hein, tout un tas de nations, quoi, en fait. Alors tu t'es arrêté à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait dans le jeu quand t'es parti? 3 ans. T'as pas vu les Français? Il y avait que les US et les Japonais. Ah oui. Oui, donc les Allemands, les Français, les Panasia, les Paneu maintenant qui arrivent. Les Allemands arrivaient. Bah, t'as des destroyers, des croiseurs, des cuirassés allemands. On a des Russes. Des croiseurs russes,
des destroyers russes, des cuirassés russes. Les Russos Balansos. Et il y a eu un rework du CV, bah tu vois bien le. Une AFK. Tu vois bien comment ça, les CV, comment ça se manipule. Maintenant, ils ont changé tout le système des porte-avions. Avec une approche bien plus arcade, bien plus action quoi, de l'avion au lieu d'avoir un clicker, un système stratégie temps réel. C'était StarCraft 2, on avait d'accord. Hein. Celui qui faisait le plus d'APM, il gagnait. On en était là, on en était à faire de la PMA. C'est pas moi qui les spot. J'ai dit, c'est pas moi qui les spot. Ouais, c'est 15 secondes, pardon, je vais être très arrière. Du coup, tu passes sur mon stream. Parce que tu regardais avant. Ah, un feu. Pour comment jouer maintenant. Le retour vers le futur. Je fais des progrès et puis j'arrive toujours à faire des trucs terriblement horribles. Ah, oh, je suis derrière un caillou, ouais, mec, je vous vois des défis de torpille. Fletcher à 5 km, sans déconner. Je suis derrière un caillou. Aucune pitié pour la Seattle. Non merci. Vas-y, accélère dans les cailloux. Sans on va repartir. Meurs. C'est même pas moi qui t'ai tué. Ah, t'as loupé les Italiens aussi. Les super Italiens. On va tirer un tailleur parce qu'on lui a déjà mis un feu. Je dois être énervant. Casse-couille de première.
Il a réparé. Je suis bien là à mon caillou sans déconner. Les mecs ils voient rien. Ils voient rien de ce côté quoi. Ils sont complètement dans le noir. Ah. Je vais essayer de décaler. Allez, on rentre à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la zone. On fait les rigolos là, mais je peux pas tirer dessus. Ah ben oui, je veux bien le croire. Ben écoute, si t'avançais ta branche d'US et de japonais. Essaye déjà de te focus dessus. Après, ça te permettra de prendre le temps pour pouvoir essayer de retrouver ce qui a changé. Parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de choses qui ont. Changé. Mais c'est surtout les nouveaux navires, quoi. Les nouveaux navires et les premiums. Des navires avec les radars en hautière. Savoir ce qu'ils radarisent à combien, que les Russes radarisent à 12, les croiseurs. Bon, il s'est fait saucer le capeur là, le capeur sachant caper. Tout caper sans son. C'est un Fletch qui traîne ici. Je suis trop loin, je suis à 11 secondes. Sur what, t'as fait l'erreur de mal apprendre les buts. Alors que maintenant tu reprends tout comme il faut. Sur what ou sur was? Non. Non, regarde World of Tanks. Bad. Sur World of Tanks, le jeu a quasiment quoi 8 ans, 8 ans, 9 ans d'existence. Il n'y a pas de T11. Ça se joue en 10 tiers, c'est tout, c'est comme ça. Mes obus qui font des belles traînées. C'est ça, ils vont faire des nouvelles branches, mais ils feront des T10 max. Le Rune, je vais aller voir pour le torpiller. Il faudrait me lui valer là. Hein. Je vous le montre bien. C'est grâce à moi les dommages là. Bon, maintenant qu'il a tiré une fois à moi, mais. C'est pas un demi-tour. Le Kit Kat. Mais il est à 8 secondes. Kit Kat. Ça pourrait me coûter cher ça. Je l'ai touché.
Allez, je vais... T'as tiré toi? Tiens, on va faire comme ça. Je vais tirer mes torpilles sur le Soyouz. À 8 parce que t'as pas assez de kilométrage, tes torpilles elles vont pas aussi loin que ça. Non, non, c'est le mien, laissez-le moi, ça suffit maintenant. Je m'amuse trop avec. C'est le mien. Laissez-le moi. Oh, c'est pas possible, je fais tout le travail. Je fais tout le boulot et voilà. Un bateau qui permettrait d'apprendre les bases sans avoir un gameplay complexe. Le problème des branches, de certaines branches, comme les branches de démarrage, comme les japonais par exemple, les croiseurs japonais, on passe d'un certain type de croiseur à un autre type de croiseur, idem pour les croiseurs américains, on va passer de croiseur léger à croiseur lourd. Si on te met dans les pattes les croiseurs anglais légers, ouais, pas évident comme gameplay. Un gameplay pas complexe. Les cuirassés américains. C'est juste lent. Mais c'est pas complexe. C'est juste lent. Le Cleveland était T6. Maintenant il est T8. Salut Alex. On a fait combien? J'aurais tendance à dire le croiseur, mais comme tu cherches un gameplay pas complexe, et le problème des croiseurs, en règle générale, c'est que en cours de branche, ça change un peu de style de gameplay, quoi. Regarde, le Phoenix, le Maha, on va passer... Tu me diras ça, après il y a du léger ou du lourd. Avant, sur la branche américaine, tu faisais léger puis lourd, tu vois, et là maintenant t'as tout léger ou tout lourd à partir d'un certain point, à partir de l'OMA. Les cuirassés américains sont bien, ils sont lents, quoi. Le T6 est lent, le T5 est lent, le T4 est lent, le T7 est lent. À partir du T8 c'est bon, c'est rapide. Mais après, tout dépend comment tu sais déjà viser. Oh, je suis loin derrière. Allez, on a combien? 221 000. Ouais, Osef. De la merde. Ouais, allez, rechercher. Eh ben, dites donc, les amis. Ouais, ça me coûte cher. Alors on va remettre son camouflage. Ah, qu'il est beau.
qu'à regarder comment jouer les maps. Ça, le problème, c'est que bienvenue dans le mode confinement. Il y a plein de joueurs qui s'y remettent à cause des 14 jours gratuits en premium. Et donc, du coup, je peux t'avouer que ça joue n'importe comment. Faut regarder Malimu. Regarde pas un mec comme moi. Ah ouais, c'est rigolo, hein. C'est plus everyday player, quoi, tu vois. Ça fait, vous m'aimez bien parce que je vous fais penser à vous. Je joue comme un pied, sincèrement. Je joue vraiment mal. Je me place mal. Je fais n'importe quoi. Je joue tout comme un destroyer. S'il y a bien un truc où est-ce qu'il faut pas regarder, c'est moi. Ça comme ça comme ça. Mon commandant d'Arugumo. Ah, je suis content de le récupérer, mon Arugumo. Viens là. Cool. Te voilà, toi. Ça, c'est super. On va lui remettre des éléments. On va lui remettre ça. On va lui remettre ça. On va lui remettre ça. Danseuse. Moins de visibilité. Et on va tirer plus loin. Bien sûr qu'on va tirer plus loin. Déconne. Trop bien. Torpille. Moins de 14 secondes. 76 nœuds. 8 km. Ah non, moi j'aime bien les torpilles de base. Plus j'ai qu'un seul rack. Pas sûr, chien. Éléments. Les modules. Ça c'est bon. Alors, on va mettre le rechargement premium, la speed premium. On est bon pour la théorie. Ouais, la visibilité du truc. Moi, c'est détente. Mais ça me va très bien. J'assume complètement le fait que je suis détente. Les parties se terminent en 5 minutes depuis 2 ou 3 semaines, c'est clair. Oh, Monsieur Watt, les parties, elles sont rapides de base, non? Ou c'est peut-être parce que j'étais mauvais? C'est peut-être ça, parce que j'étais pas bon, mes parties étaient rapides. Deux drapeaux. Bon, bah c'est bon, on est parti, on essaye, il faut faire une victoire. Sinon, je la fais en coop. Trois quinze ou 15-0. Ah oui. Ouais, ben oui. C'est ce qu'on retrouve ici, quoi. C'est ce qu'on appelle des stomps, en fait. Il vaut mieux être dans la bonne équipe. Sinon, ce serait frustrant. Ben, ce qui m'a arrêté à World of Tanks, c'est les abus gold, forcément, et la difficulté à monter, même en premium. Tu fais pas de pex, quoi. Les pex et crédits, ça monte pas. C'est du 15 contre 15, char. C'est vrai que c'est du 12 contre 12. Et les abus gold, bon, bah voilà, quoi. Ta tourelle, elle sert plus à grand chose. Du coup, moi je tourne un peu sur Armored Warfare, mais c'est punitif.
Va finir par faire un trou ou te casser la tête. C'est ça, ouais. J'en suis au T5. J'ai quasiment fini. Alex, tu parles pour Armored ou pour World of Tanks? Super. Canon déjà. Sur what? Oh non, c'est pas vrai. Je suis un argoumo, je suis un argoumo, je suis un argoumo, je suis un argoumo. Et voilà, regarde, c'est cool. T'aimes bien le gameplay Yamato, tu t'amuses? C'est bien le Yamato, hein? T'as vu, c'est bien. C'est fun de jouer Yamato. Oh. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, est-ce que tu voles? Bien. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il est prêt quand même. On va décoller. Là, là. Quatre-vingts obus, pas de feu. Et je suis enlevé 10 000 points de vie. Il a l'air de passer une bonne game. Oui, c'est plus bien. Ouais, bah. Allez, cap. Fuck. Là, tu vas voir ce que c'est, il est fâcheux. Poteau. Tu vas voir, il est fâcheux. Je vais te montrer ce que c'est, il est fâcheux.
Là, tu vois, il est fâcheux, c'est fun. Regarde, ouh, c'est marrant. T'as bloqué. Allez, meurs. Je l'ai sorti, mais ils m'ont tué. Et du coup, ils ont plus de support. Mais je l'ai sorti quand même. Harugumo contre un... C'était quoi? C'était un gros zoo. Non, c'était un loup de l'œil. J'aime pas loup de l'œil. Mais je l'ai sorti. Mais j'ai forcé un peu, par contre. Et là, on va pas la gagner. Je dois refaire une game en coop pour pouvoir gagner mes points. Voilà. C'est mieux la branche de croisière américain ou française, sachant que tu cherches un gameplay compliqué. Plutôt les croiseurs américains sont moins prises de tête que les croiseurs français. Les lourds ou les légers. Regarde, on est en train de se faire défoncer, mais alors. Défoncer propre. On peut tous désinstaller le jeu. Hein. On a 20 points. Waouh, 20 points. C'est sans déconner. Un kill et je peux en refaire une. Là-dessus, le Massachusetts, là, qu'on n'en parle plus. Personne ne peut tuer le croiseur, regarde, le Cleveland se fait même attaquer par un porte-avions en toute impunité. Ouais. Wargaming quoi. Les cuirassés plus sont plus tanky que les autres. Ça tank. Ça tanque très bien. Non, mais ce qui se passe, ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Merci Cleveland. C'est pour ça que j'étais sur lui. Je savais que c'était lui qui allait mourir. On a perdu. Cette ruban détruit. Qui moi? Jusqu'au 9-4 pour faire. Oh, il va falloir faire vite. Hein. Pour le KOTS. On va refaire une. J'aimerais bien la gagner. Ce que bien on te dit, c'est que je joue sans pression, parce que je peux pas perdre d'argent. Et si ça marche pas, si c'est encore une lose, je fais une bataille en coop. Midway en face. Encore des avions. Salut à toi, Moradim. C'est surtout un bateau qui a tendance à... coller tout un tas d'obus sur ses ennemis. J'aime pas faire B, j'aime pas gérer B.
Alors, les Français ont un gameplay bien particulier. Les DD sont ultra rapides. Pas de smoke. Et avec un rechargement du calibre principal accéléré avec un consommable pendant un certain temps. Ils peuvent récupérer des points de vie aussi. Les derniers, pas tous. Les croiseurs ont un boost consommable. Peuvent être rapides. Ils sont rapides. Ils peuvent mettre des bonnes patates au feu. À lâche, pas mal de feu. Ça se joue à distance. Ça se joue clairement à distance. Je coupe en entière. Si tu t'approches trop, t'es mort. Tu te fais défoncer. C'est clair, ils sont un peu compliqués à prendre en main. Ça veut dire qu'il y a un DD là-haut. Il y a un DD qui est en train de nous s'emmerder la vie. Le Moskva est à 16. Je sais que si tout va bien. J'ai pas de support. Puerto est à 15. Oh non. Radarisez-moi le. Et moi je suis repéré hydro. La vie est belle. C'est le Z. Que je pourrais pas partir en... Je peux pas, moi. Je suis en train de me prendre tellement cher. C'est bon, il voit plus. Casser. Salem, peut pas me radariser. La marche arrière, c'est super. Je kiffe la marche arrière. Ça c'est le Z, hein. C'est le Z avec son hydro, hein. Un hydro 6. Ça, c'était des cadeaux pour moi. Bon. Il va pas recommencer une deuxième fois. Ah, par contre, ça va me faire gaffe. Je vais être visible si je fais ça. Je sais pas de smoke tout de suite. J'ai envie de caper. Je pense que le délai est parti. J'espère qu'il s'est cassé parce que je suis dans la merde. Allez, c'est parti. Deuxième essai. Ah non. Il est pas parti. Il est pas parti. Je suis repéré. Putain, il fait chier. Où est-ce qu'il est?
t'ai repéré de où? Ah, là, là. Petit coquin. Faudra pas que je reste là et va torper, hein. Je suis incapable de tirer dessus. Chef de la marche arrière sans déconner. Hein. Oh non, 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 pas ça, non. Oh, espèce de va te foirer, va te faire voir. Oh, merci. Je suis radar. Waouh, boum. Ils sont 5. Je les ai revenus. Il a fallu tout voir. Qu'un seul délai et il est. Ok. Summer, c'est pas compris qu'il fallait aller caper. Ça arrive, les CV allemands, ça arrive. Ça avait tout l'air d'un 1er avril, hein. Il s'en est pas, hein. À moins que ce soit un 1er avril, mais j'y crois de moins en moins. Ils vont vraiment sortir une branche complète de CV allemand. Complexe, soit bel et bien un 1er avril. Mais comme on a eu l'info après le 1er avril, faut voir de quand date l'article. Hein. En plus, pour l'instant, le Puerto Rico prend tellement cher. Ça s'appelle Poséidon, stylé. Pas Poséidon 532. C'est le vrai Poséidon, quoi.
Ben oui, bien sûr, exactement, Moradin. Au moins, il y a des CV français, quoi. Alors que les CV allemands, rien, quoi. Le CV russe, Moradin. C'est qu'une question de joueur, en fait. C'est une question de communauté. Oh, il y a une grosse communauté allemande. Un peu moins. À cause du gameplay qui a changé. C'est différent. Avant, on pouvait sortir. Le CV pouvait sortir toutes ses unités et les concentrer sur un navire. Maintenant, il ne peut sortir qu'une seule unité à la fois et il la contrôle. Et l'entière des hautes-tiers a été revue et corrigée pour que tu puisses pas impunément tourner autour du navire et passer 12 fois, quoi. Alors tu peux venir l'embêter en envoyant salve sur lui. Mais ça prend du temps. Donc pour moi, l'équilibrage des CV et le rework des CV est un succès. Qu'est-ce qu'il a fait le Summers du coup? Il a fait un kill là. Il a réussi à en couler un force. On est peut-être en train de retourner la game. Ça charme. Tire pas tout d'un coup, hein. Il a 3 racks, faut pas oublier, le Summers, il les tire, non il a 2, 3 racks, il les tire chop, toutes les 20 secondes, toutes les 30 secondes, ce qui fait qu'il a des torpilles tout le temps quoi, hein. Toutes les 20 secondes, les torpilles. En fait, il fait une sorte d'omnikazé quoi. Je sais pas voir. Pas une assez grosse communauté à matériaux, j'aurais envie de dire. Vous avez l'AIDA. Voilà. Oui, c'est bien. Je sais bien. Problème, c'est toujours pareil. C'est pas une assez grosse communauté de joueurs. Ah, les Allemands, il y en a. Il y a eu 21 CC allemandes nommées à la dernière palanquée de CC. 21. Pour vous dire qu'il y a des streamers, il y a des joueurs, il y a du monde. Hein. Les streams des Allemands, il y a toujours 300 personnes sur les streams allemands. Hein. Ouais, du monde. Imagine que nous, on n'arrive pas à faire une centaine. Et eux, ils sont à 300. Quoi. C'est qu'il y a beaucoup plus que joueurs que la communauté française. Donc du coup sortir des navires allemands, c'est un moyen. C'est un moyen de contenter la communauté, une communauté forte.
de faire venir des nouveaux joueurs. Là où est-ce qu'il peut y avoir un gros vivier. Moi je la voyais perdue celle-là, tu vois, et au final ils ont réussi à retourner la situation. Mais c'est des tourelles quadruples, elles sont pointées à l'avant. Tu peux donc tirer à l'avant sans avoir à te mettre broadside. C'est pénalisant quand on perd une. Oui, ça, j'avoue, tu perds la moitié de ton DPS. Mais à part ça, non. C'est bien. Et en plus, ils mettent beaucoup de feu. J'attends le tonnerre. J'attends la Jeanne d'Arc. J'attends la Jeanne d'Arc avec les hélicoptères, moi. Ah, il a raté, je suis en semerse toute la game, hein. Il a envoyé des torpilles, torpilles sur torpilles à tout le monde, toutes les 20 secondes. Il est coulé. Sommers qui l'a coulé, non, c'est pas lui. C'est intéressant ce qu'il aura fait le Sommers, sa manière de tirer les torpilles était intéressante, à savoir pas tous les racks. C'est plus dur de toucher, et si tu touches et que tu retouches derrière, c'est l'inondation assurée, quoi. Ouais, le problème, c'est que c'était pré-guerre. Il n'y a rien de post-guerre. À part le Foch et le Clem, quoi, mais qui sont quand même. Qui datent des années quoi. Foch Clémenceau, a tendance à dire des années 70, tu vois. 60. Où est-ce des mines? Oh, il est tellement low life le machin. Et c'est surtout ça que je cherchais. 6000 points de recherche supplémentaires. Excellent. Ça y est, j'ai récupéré toute ma branche, j'ai fait les points de recherche, je suis content. J'ai maintenant combien de points de recherche ? 8000 points de recherche. Là, j'en ai dépensé 2000 pour mon noyau. Donc 50, il me reste encore 50 000 à faire. 20 000 avec les Américains. 20 000 avec la prochaine mise à jour.
C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais ça avance, ça avance. Très bien, il est l'heure pour moi de vous laisser et de vous souhaiter une bonne nuit. On va peut-être faire un petit raid comme tous les soirs. Alors, qui stream? Moi qui est en train de faire des signes bizarres. On a Harley Quinn, on a Daffy, on a Batpuce, on a Spartan Boy. Oh le monde! Vapololo, Brutal, Deram. On a Weekend Snag et Telkar. Putain, la vache, il y a du monde. Je connais pas. Bad Pupus. Bad Pupus. Il a un superbe bateau. Il a une Ah mais il est superbe super fort cam. avec les voix. On s'y croirait. Bad Non, j'en ai entendu Pupus. faire depuis tout à l'heure. Excellente cam. Je vais vous envoyer chez Bad Pupus. Ça me fait bader son Il sait en faire bateau une là. autre aussi. Excellent. Ça me fait bien rire. Je vous souhaite tous une Ouais. bonne Pas très nuit. corporate celle-là. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures demain matin, Non. peut-être. Oui. Bad pupus. Allez, je passe aussi faire un coucou Non, pas celle-là. là-bas. C'est une plus 1er mai. Alors, 67, Hein? 69, 71, 72. Oh. 72, que 72? Allez, un peu plus, peut-être, un peu Bon, plus. alors, c'est quoi ce bordel là? Ça s'est croisé dans le... 73. Oh, Ce allez, bordel. je bouge. Parce que je parle. Ah, mais Yes. c'est quoi ce merdier? J'ai dû lancer un raid. Partir, rejoindre. D'ailleurs, Partir, ce serait bien. rejoindre. Je connaissais un bateau qui s'appelait la Jeanne. Ah oui. Ah, il a pris. Pourquoi ça marche pas? La marine. Non, c'était. Non, c'est. Oui. Je voudrais pas déconner, mais je crois qu'il y avait Je un comprends navire pas. des gardes-côtes qui était sur l'île de Ré. Elle s'appelait la Marie-Jeanne. Et bah forcément, elle cherchait. Enfin bon, Vous bref. avez déjà un raid en quoi? Et Alors, apparemment, je vais enfin c'était partir. une navette, un navire. Enfin, c'était oui, Partir c'était rejoindre, comment un ça bateau marche? avec un moteur mais surpuissant. Pour 250 Oui, points? avec Pourquoi il me Yann parle de là. 250 points? Je peux même Non, plus c'était le lancer. pas à ce point-là, c'était pas un truc comme ça, mais bon, en gros, fallait pas. Rejoindre, partir. Je comprends Je crois qu'il y avait 1000 chevaux dedans, enfin, le truc c'était un monstre total quoi. Genre... Ah, tu oui, peux en fait. essayer. Et ça fonctionne pas. Non, c'est nul ça. Hein? J'ai pas Quoi, non? entendu, J'ai pas compris j'étais si ça hyper concentré sur fonctionne mon ou tir que pas. j'ai raté. Ouais, c'est l'arche de Noé en fait. Gérer, abattre l'hébergement. 1000 chevaux, tout ça. Partir, rejoindre. Et moi, je suis où Oh là-dedans? bordel. Bonjour tout le monde. Ah, voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Il y a du monde là. Hein. Peut-être en faire quelques-unes, hein. Je viens de me faire raid. Je comprends absolument Bonjour pas tout le si monde. ça a marché au final. Putain, merde, faut bien jouer alors. Ouais. Bah toi, on voit pas toi, mais. Est-ce que je suis encore en live? Ah, ça tombe bien. Ah! Nickel! Si, c'est bon. Bienvenue dans son auberge.